Good morning, Alaïda Nelissus. Aujourd'hui, les Lenishma David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucienne Batraina et Marie Myriam Bat Julie Lebet Berda. Si vous souhaitez vous citer une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Nedarim, Perektet, Mishnachet. Konam Yain She Enito Em. She Ayain Rala Meain. Amrolo, alors Ameyushan Yafel Ameyain. Utar Bimiyushan. Velo Bimiyushan Bilvadotar. El Abechol Ayain. Konam batzal sheni toem, shabatzal ra la lev. Amrolo valo akufri, yafe la lev. Utar ba kufri, velo be kufri bilvadotar, ela bechol abetzalim. Maase aya, ve tiro rabbi meir, bechol abetzalim. On continue avec le principe évoqué dans la Mishnah Vav. Le principe de Rabbi Akiva, neder shutar mikzato hutar kulo. Dans la mesure où tu vas prononcer un neder en prononçant. En englobant un groupe d'objets qualifiés par un seul groupe, un seul nom qui va définir le groupe. Et il s'avère qu'il y a des éléments du groupe qu'en fait, en réalité, tu vas annuler le neder, ou là, comme ça, dans la Mishnah, tu vas réaliser qu'en réalité, tu ne les avais pas interdits, peu importe. On va préciser après dans les détails, mais en tout cas, puisque maintenant, toute la parole que tu as prononcée, elle s'annule partiellement, et bien, neder shutar mixato ou tarkolo. L'ensemble que tu as interdit, puisqu'il n'a plus été interdit en tant qu'ensemble, il n'y a plus du tout de neder. On avait évoqué le cas dans la Mishnah précédente, avec « je ne veux pas profiter de vous tous là-bas ». Et après, d'un coup, tu regardes, tu vois, « ah, mais il y avait même ton frère, et tu ne voulais pas interdire de ton frère ». Tu vas permettre le neder pour tous, d'accord? C'est le principe. Et avec, à présent, une nouvelle situation, c'est quoi? « Konam yain shenitoem »« Ah, je fais neder, je ne vais plus boire du vin ». Parce que le vin, ça fait mal au ventre. Il avait mal au ventre, parce que, soit il avait bu du vin, soit peu importe. Il a dit, rien qu'il pensait au vin, ça l'écœurait. Il a dit, je fais le neder, je vais plus boire de vin pendant une semaine. Parce que le vin, ça fait mal au ventre. Et après, on lui dit, mais calme-toi, qu'est-ce que tu racontes? Amroulo. Zalo ameyushan yafen ameyaim. Le vin, est-ce que ça nuit, ça fait des problèmes de ventre? Peut-être oui, peut-être non. Mais en tout cas, le vieux vin, c'est super pour le ventre. Tu prononces un éder contre le vin parce que le vin, il te fait des problèmes, il peut faire des problèmes de ventre. Et en fait, on te dit, mais attends, quand tu inclus tout le vin, il y a un élément qui s'appelle le vieux vin, il y a une meyushan, le vin vieilli, et que lui, il est justement bien pour les maïms. Donc ton éder, il n'a pas inclus, tu n'as pas eu l'intention d'englober tous les vins. Et dans ce cas-là, neder shutar mixato ou tarkolo, le neder. Alors la Mishnah va me dire justement, utar ba meyushan, il va être permis avec le vieux vin. Et pas que dans le vieux vin il va être permis. Elle a bekolaïn, du coup ça va lui permettre tous les vins. Mais alors là, il y a un chidouche supplémentaire dans notre Mishnah, hein, dans la mesure où, cette fois-ci, il va même pas aller voir le Chacham. Dans la mesure où il a prononcé le Neder en disant je m'interdis le vin parce que le vin fait mal au ventre, quand on va lui dire mais le vin blanc, ou le vieux vin, ou le rosé, ça fait pas mal au ventre, il s'avère que maintenant, il a même pas besoin d'aller voir le Chacham pour permettre le Neder sur le rosé. Ou sur le vieux vin, ou le vin blanc, enfin, peu importe. Parce que dans ce cas-là, c'est sûr que ça n'a pas été inclus dans ton interdit. Donc, en fait, tu as dit deux paroles qui se contredisent. Tu as dit le vin, bon, tout ce que ça inclut tout ce que ça peut être, et tu donnes une raison qui fait que le vin, tu ne veux pas l'interdire. Parce qu'il y a dans le vin, tu ne veux pas tout interdire, puisque le vin blanc. Donc tu as un problème. Si on me le dira, si c'était ça, je n'aurais pas prononcé le neder. De la sorte, en tout cas. Je n'aurais jamais dit cette phrase. Dans ce cas-là, on va dire, bon, tu sais quoi, tu n'as même pas besoin d'aller voir le chacham. Ton éder, il s'annule forcément, entièrement même, tu peux même boire du vin rouge frais, nouveau. D'accord? C'est le principe. Je refais dans les mots, je ne sais pas si j'ai tout lu ou pas, donc je recommence dans les mots. Konam yain shenitoem. Je fais le néder de ne pas boire de vin, que je ne goûterai plus de vin. Shayen ra la maïn, parce que le vin, ça fait mal au ventre, aux intestins. Amrolo, on m'a répondu, mais vealo ameyushan yafe la meaim. Le vin vieilli, c'est excellent pour les. C'est excellent pour les. Pour les intestins. Et alors la Mishnah me dit, dans ce cas-là, Utar ba Miyushan, ça va lui permettre de boire le vin Miyushan, le vieux vin, et du coup, Velo bi Miyushan bilvad Utar. Et c'est du coup, ça va faire que, c'est pas que le vieux vin qui va uniquement qui va être permis. Et la Bekolaïn, mais tout le vin entièrement va être permis, parce que dans ce cas-là, l'ensemble que tu interdis, tu n'avais pas d'intention de l'interdire, dans ce cas-là, tout ça lui. Nouvelle situation, de nouveau, avec cette fois-ci, Konam Batsal She'enitoem Shabatsal Ralalev. Je fais le néder de ne pas manger d'oignon, parce que l'oignon, ça fait des problèmes de cœur.
Amroulon lui a répondu, mais qu'est-ce que tu racontes? Va le koufri, il a fait la lève. Le, je sais pas c'est quoi, le batsal qui vient du kfar, des villageois de la campagne, il me dit, mais qu'est-ce que tu interdis l'oignon, parce que l'oignon ça fait mal au cœur. L'oignon du village sauvage ou peu importe, ça fait justement du bien pour le cœur. Dans ce cas-là, outar bakoufri, il aura le droit de manger ce fameux batsal koufri, et dans ce cas-là, velo bekoufri bilva d'outar. Il n'aura pas uniquement le vin interdit du koufri, et la bekol avesalem, il aura même permis tous les oignons. Et d'ailleurs, Maasaya, ça s'est passé le cas que Betiro Rabbi Meir, bekol avesalem, Rabbi Meir lui a permis effectivement de manger tous les betsalim. Parce que tous les oignons, parce que, comme on a expliqué, le principe de neder shutar mixato utar kulo, dès qu'on va permettre une partie du neder, ou ouais, dans ce cas-là, tout le neder va s'annuler, et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de hatzlacha, kol tum sera.